Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohammediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées? Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00 212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembleechretienne.org. Que Dieu vous bénisse. Source abondante au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembeau, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00 212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembeau, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger, ou en contactant le 00 212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Là, ô Dieu, ô roi de gloire, fais ton entrée en ces lieux, qu'il te plaise d'agir, qu'il te plaise de faire ce que toi seul t'as voulu faire. Nous voulons simplement nous baigner dans ta présence, te contempler. Au regard de qui tu es, Seigneur, toutes ces choses qui font notre fierté ne valent plus rien. Au regard de qui tu es, Seigneur, toutes ces choses qui font notre fierté, à tes pieds nous les jetons. Toutes ces choses qui représentent notre personne, Seigneur, à tes pieds nous jetons toutes ces couronnes, Seigneur Dieu, parce que qui tu es, Seigneur Dieu, parce que dans ta présence, Seigneur, tu es digne, Jésus, tu es digne, Jésus, tu es digne, Jésus, tu es digne, Jésus, tu es digne, oh Dieu, you are worthy to be praised, Jesus, you are worthy to be praised, Jesus, tu es digne, Jésus. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, Jésus. Chante les mots, yérabas à te, yérébé, chata. Jésus.
worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, Jesus, you deserve the praise. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, Jesus, you deserve the praise. You deserve the praise. Worthy. Your name, what is your oh, name? What is your name? What is your name? Jesus, Jesus, you deserve the praise. You deserve the praise. Worthy, 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 is your name? Worthy is your name. What is your name? Jesus, Jesus, you deserve the praise. All the glory for you. Worthy, oh, is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, Jesus, you deserve the praise. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is oh, your name. Hands on God. Tu es digne, c'est parce que tu réalises que toutes ces choses qui font ta fierté devant sa précieuse présence, ces choses ne valent plus rien. Lorsque tu dis Seigneur, tu es digne, c'est parce que tu réalises que lorsque tu es devant lui, toutes ces choses qui font ta fierté, tes diplômes, ton nom, ta notoriété, ces choses devant sa présence glorieuse ne valent plus rien. Oh, lorsque je contemple ta sainteté, Seigneur, les choses qui m'entourent, ma vie, ces choses que je possède, même ces choses que toi tu m'as données, qui sont légitimes, ces choses devant toi ne valent plus rien, Seigneur. Au regard de qui tu es réellement, Seigneur. Oh, voilà pourquoi je peux le dire. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. Devant toi, même ces choses que je chéris tant, devant toi, je ne peux que briser ce vase, parce que tu es digne. Parce que tu es digne, Seigneur. Parce que tu es digne, oh Dieu. Au regard de qui tu es, Seigneur. Parce que tu es digne. J'accepte de briser ce vase. Oh, je ne le fais pas parce qu'on me demande de le faire. Je le fais parce que tu es digne. Je le fais parce que tu es digne. Je le fais parce que tu es digne, Seigneur. Je le fais parce que tu es digne. J'accepte, Seigneur Dieu, de briser ce vase que j'ai gardé autant d'années. Toutes ces choses que je chéris tant, j'accepte de les briser devant toi parce que tu es digne.
parce que tu es digne, parce que tu es digne, oh Dieu, parce que tu es digne, parce que tu es digne, parce que tu es digne. Chandelebo sata, elaba sate, mandelebo sata, rebrakata. Oh Dieu, tu t'es choisi un peuple, et ce peuple publiera tes louanges, oh Dieu. Et ce peuple publiera tes louanges. Et ce peuple que tu t'es choisi et formé, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur en ces lieux. Et nous choisissons de publier tes louanges. Nous choisissons de publier tes louanges. Parce que tu es digne. Parce que tu es digne. Car tu es le saint. Et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et en ce matin, Seigneur, nous acceptons de briser ce vase, oh Dieu. Parce que tu es digne. Parce que tu es digne. Parce que tu es dit, et là-bas chassé, y'a des mots, et maman, maman, yeah, 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 oh, 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 oh. Et là-bas, ya, 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 chalema, chassé, et là-bas, chassé. Oh, est-ce qu'un adorateur réalise que son roi de roi est là en ces lieux? Est-ce qu'une personne sensible peut l'attester? Qui a ce Dieu-là ici en ce lieu? Il est là en ces lieux. Le roi de gloire fait son entrée en ces lieux. Oh, porte, élevez vos linteaux pour que ce roi de gloire fasse son entrée. Mandele le beau chata, les bras kata, iraba sate. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Mama, mama, mama. Shalema yada. Ekabaya. Oh, 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 oh. Le bras sata yade le bo shata. Ya, ya, kata la ba shate. Yeah, mama, mama, mama. What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? Worthy is your name, Jesus. Que cela vienne de ton cœur. You deserve the praise. You deserve the praise. Worthy is your name. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter? Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve the praise. You deserve the hallelujah. Praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. Jesus. You deserve the praise. Worthy. Toujours dans cet élan d'adoration, nous allons apporter notre offrande au Seigneur. Les temps des offrandes, ce ne sont pas les temps en moi, mais c'est également notre réponse à la révélation de Dieu. C'est notre réponse à la révélation de Dieu en notre faveur. Voilà pourquoi nous voulons encore lui exprimer notre reconnaissance en lui apportant nos offrandes. Ceci est également une expression d'adoration. Ton offrande, tu ne le donnes pas simplement parce que c'est un temps dans un lieu, dans un culte, mais c'est également une expression d'adoration. Toujours dans cet élan de consécration, nous allons apporter nos offrandes. Nous allons apporter nos offrandes. Chandelebo sata, iraba, iraba, chassé. La 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 la, dans Actes 20, le verset 35, la Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Seigneur Père, nous te donnons ces offrandes, Seigneur, en réponse de la révélation, Seigneur Dieu, de ta révélation à notre égard, Seigneur. Nous ne voulons pas le faire, Seigneur Dieu, comme nous avons l'habitude de le faire. Ce n'est pas un temps en moins, mais c'est également cette réponse que nous t'apportons, ô Dieu. C'est également cette réponse que nous t'apportons, ô Dieu. À ta révélation, comme étant ce Dieu pourvoyeur-là, toi qui as pourvu dans nos vues, dans nos vies, Seigneur, nous voulons également t'apporter ces offrandes, ô Dieu, pour qui tu es réellement, Seigneur. Ô Dieu, tu es digne de louange, tu es digne de louange. You are holy, holy.
you, Lord God, Almighty. Worthy is your Lamb. Worthy is your Lamb. You are holy. 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 Are you Lord God? Almighty. Almighty. Et je viens t'adorer.
saint, il est saint. Saint, il est saint. Le Seigneur. République des lois, car tu es le saint et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Tu es dans ce lieu et nous t'adorons. Et je viens t'adorer. Saint, 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 chantez les mots et là-bas, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Le peuple que tu t'es formé, public de louange en ce matin. Mandelebo Chata, les bras satés, car tu es le saint et tu sièges en ces lieux. Chez Dalaba Sata, les bras Kata.
La puissance à toi.
toi la gloire à jamais. Yeshua, Yeshua, oh. Ah, 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 Yeshua, Yeshua. À toi la puissance. To you all might. À toi la majesté. To you majesty. À toi l'honneur. To you honor. À toi la gloire. To you glory. À toi la richesse. To you riches. À toi la force. To you strength. À toi la puissance. To you power. À toi la louange. To you praise. Pour les siècles des siècles. Forever and ever. Toi qui mérites nos acclamations. You that deserve our hands. Toi qui mérites nos cris de joie. Alléluia. Praise the Lord. Nous te bénissons. We bless you. Nous te rendons toute la gloire. We give you all the glory. Nous te désirons encore plus aujourd'hui qu'hier. Today than tomorrow. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. You have living words of eternal life. Tu as les paroles de cette vie. You have word of this life. Alors en ce matin, viens nous enseigner. This morning, come and teach us. Enseigne-nous. Teach us. Conduis-nous. Lead us. Fais-nous du bien. Do goodness to us. Par les biais de ta parole. Through your word. Au nom de Jésus. In Jesus' name. L'herbe sèche. The grass is dry. La fleur tombe. The flower falls down. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. But the word of the Lord remains forever. Et nous voulons nous attacher à ce and qui subsiste éternellement. To what remains forever. Au nom de Jésus. In Jesus name. Saint-Esprit. Holy Spirit. Glorifie Jésus. Glorify Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus name. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Bonjour à tous. Morning to all of you. C'est pour moi un grand privilège. To me, it's a great honor. D'être là en ce matin, de partager avec vous la parole. This morning and share the word with you. Et je sais que le Seigneur va and nous I bénir know that tous. The Lord will bless all of us. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 17, 4 à 5. We are going to open our Bible in John 17, from 1 to 4. Jean 17, 4 à 5. From verse 1 to 5. J'étais glorifié sur la terre. I've glorified thee on the earth. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. I've finished the work you have given me to do. J'étais glorifié sur la terre. I've given you glory on the earth. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. I've finished the work you have given me to do. Et maintenant toi Père, and now Father, glorifie-moi auprès de toi-même. Glorify me before thee. De la gloire que j'avais auprès de toi. Of the glory that I have before avant you, que le monde fût. Before the world be. Amen. Amen. En ce dimanche, nous voulons introduire this Sunday we want to introduce un grand sujet, a big topic sur la grâce de l'accomplissement. About the grace of accomplishment. Que la grâce de Dieu vienne sur nous, the grace of the Lord come on us, afin que nous puissions accomplir so that we may accomplish ce que Dieu a prévu pour what nous. God has planned for us. La grâce de l'accomplissement. The grace of accomplishment. La Bible ne dit-elle pas didn't the Bible say que la fin d'une chose that the end of something vaut mieux que son commencement. Is better than its beginning. C'est bien it's good de commencer. To start. C'est très bien it's very good de très bien commencer. To start very well. C'est mieux and it's better de très bien finir. To finish well. La grâce de l'accomplissement. The grace of accomplishment. La grâce de l'achèvement. The grace of finishing what you have started. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à I've faire. Finished the work you have given me to do. Dans la Nouvelle Bible Second. In the New Bible.
J'ai manifesté ta gloire sur la terre. I've manifested your glory on the earth. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. And I've accomplished the work you have given me to do. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. I've accomplished the work you have given me to do. Dans la Bible, la grâce In the Bible, the grace est une capacité divine. Is a divine capacity. La grâce du Seigneur. The grace of the Lord. Le Seigneur nous dote d'une capacité. God give us a strength, a capacity pour réaliser ce qui est impossible to à nos perform yeux. Perform what is impossible. Ce qui est impossible aux yeux des hommes. What is impossible before men? La grâce a deux dimensions. The grace has two dimensions. Je pourrais même plusieurs dimensions, mais deux dimensions principales. Many dimensions, but two especially. La grâce qui vient pour nous sauver du péché. The grace that comes to heal us from sin. Et par cette grâce, Dieu nous déclare juste devant lui. And by that grace, God declares us. Just before him. Parce qu'il faut que Dieu nous déclare juste devant lui. Because first we need to be declared just before God. Et par la suite, and after all, nous pourrons réellement faire son œuvre. We can really do his work. Et cette grâce, and that grace, c'est aussi une capacité surnaturelle. Is a supernatural capacity. Elle peut être vue. It can be seen. Dans Actes chapitre 11, in Acts 11, on dit les apôtres arrivent à Antioche. Apostles that arrive in Antioch. On dit lorsqu'ils virent la grâce de and Dieu. When they saw the grace of God, la grâce n'est pas cachée. Grace is not something hidden. Là où elle est, elle se voit. Where it is, it be displayed. Et cette grâce and that grace nous permettra help us d'accomplir to accomplish ce que Dieu a prévu pour what nous. God has planned for us. L'accomplissement accomplishment est l'état de ce qui est complètement achevé. A state of something completely finished. Accomplir, c'est achever, c'est exécuter jusqu'à son terme. To accomplish is to perform to the end. Et Jésus, dans sa prière de Jean 17, 4 à 5, and Jesus in his prayer in John 17, 1 to 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. He said, I've glorified thee on the earth. J'ai manifesté ton éclat, ta splendeur sur la terre. I've displayed your shining, your brightness on the earth. Et il dit encore, j'ai achevé. J'ai accompli I've accomplished l'œuvre que tu m'as donné à faire. The handiwork you have given me. Le mot achever ici, le verbe achever, the verb to achieve here, signifie avoir fini, être écoulé. It means that having finished, avoir achevé parfaitement. To finish it perfectly. Je n'ai rien laissé entre mes mains. I've left nothing in my hands. J'essaie de donner cela comme une petite illustration. I want to show it like an c'est comme dans un jeu de cartes. It's like playing cards. Celui qui se trouve à la fin he de la partie is at the end of the game, n'ayant aucune carte entre ses mains, having no card remaining in his hands, il est déclaré vainqueur. He is declared winner. Mais celui qui aura toutes les cartes entre ses mains, but he that will have card in il his va être hands, déclaré perdant. He will be declared the loser. Et Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as and donné Jesus à faire. And Jesus is meaning, I finished the work you have given me to do. L'accomplissement apporte la satisfaction. Accomplishment brings satisfaction. Dans Genèse chapitre 1, in Genesis 1, le verset 10, verset 12, verse 12, le verset 18, verse 18, le verset 21, verse 21, le verset 25, 25, à chaque fois que Dieu accomplissait une œuvre, every time God finished a work, la Bible nous dit Dieu vit que cela était bon. The Bible declared that God see it was good. Il faisait une évaluation quotidienne. He make a regular check-up. Un accomplissement quotidien. An accomplishment, regular accomplishment permettra un accomplissement total. Will help us to make a total accomplishment. Il ne faut pas attendre à la fin de sa vie pour se dire ah oui j'ai tout fait. Non. Don't, chaque fois, chaque jour. Don't wait until the end of your time to say I've accomplished. Est-ce que j'ai atteint l'objectif? But ask yourself every day, have I met the goal? Et les différents bons que Dieu a déclarés dans Genèse chapitre 1, and the different good that God has declared in Genesis 1 vont précéder they will come before le très bon de Genèse 1, 31. Very good of Genesis 1, 31. Dieu vit que cela était très God bon. Has seen that it was very good. Il s'arrêtait et il appréciait ce qu'il faisait. He stopped and admired c'est what bon. He has accomplished. He said, premier that's jour, good. Jusqu'au first cinquième day. Jour, c'est bon. Till the fifth day, it's good. Et à la fin, il va dire, c'est très bon. And at the end, he will say, it's very good. Et au septième jour, and on the seventh day, il entre dans le repos. He enter into rest time. C'est là qu'on arrive dans le très bon, que nous entrons dans le repos. It's when you say very good that you enter le repos rest. De Dieu proclame que le but est atteint.
God's rest means that the goal has been met. L'œuvre a été accomplie. That the work has been accomplished. Le bon plaisir a été achevé. The great pleasure was finished. Alors ne te contente pas. So don't get content. De cet accomplissement qui est quotidien. Of that regular accomplishments. Mais en même temps, réjouis-toi de cet accomplissement quotidien. At the same time, rejoice with that daily accomplishment. Ça te permet de t'évaluer au fur et à mesure. It helps you make a check-up day by day. Si tu t'arrêtes aujourd'hui, if you stop today, et que tu évalues ta vie, and you check your life, quelle note tu te donneras toi-même sur 20? What mark will you give your own self? Sois honnête. Over 20. Maintenant. Be honest, just right now. La Bible nous dit ne te vante pas du lendemain. The Bible says do not be proud about tomorrow. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Because you know maintenant, what a day maintenant, quand tu regardes à tous les aspects de ta vie. Right now, when you check all aspects of your life. Évalue-toi. Evaluate yourself. Parce qu'en fait, l'œuvre que nous allons voir tout à l'heure. Because the work that we see. S'englobe soon, tous les aspects de notre vie. It sums up all aspects of our lives. Tu t'évalues à chaque fois, tu vois ton accomplissement quotidien. You evaluate every time and you see your progress daily. C'est bien. It's something good. Mais les nouvelles expériences aussi sont devant nous. But new experiences are ahead of us. Des meilleures expériences. Better experiences. On raconte l'histoire d'un grand architecte. It's about the story of a great architect. Il a réalisé de meilleurs travaux. He has performed great works. À quelques jours de sa mort, some days before his death, il était déjà fatigué. He was even worn out. On lui pose la question. They ask him this question. Quelle est ta plus belle œuvre? What is the best of all your handiwork? Ma plus belle œuvre. He said my best handiwork. C'est la prochaine. Is the next one. Il ne s'est pas arrêté. He didn't stop. Sur ce qu'il avait accompli. To what he has accomplished. Tu composes des chants. You are a songwriter. Tu as commencé à composer depuis l'âge de 18 ans. Maybe since 18 you have started writing songs. Tu arrives à 35 ans. You come to 35. Tu sélectionnes tes chants. You make a selection of your songs. Tu appelles ça des best of. And you call it the best of. Les meilleurs. The best. Donc toi-même tu te limites. You limit your own self. Donc après il y aura plus rien. So it means that after that there will tu be nothing. Tu rassembles tes prédications. It's like you make a collection of tu your best preaching of. And you make the best of. Les meilleurs de. C'est bien de regarder l'accomplissement à chaque étape, de s'évaluer, c'est très bien. It's good to make a check-up. Il faut le faire. Stage. That's very good. You have to do it. Il y a des gens qui n'aiment pas s'évaluer. There are people never like to evaluate themselves. Oh non, ça fait très intellectuel. It makes too intellectual. Non, c'est ce qui est censé. That's what is sensible. Dieu, il s'arrête, il vit que cela a été très bon. God stops and check and find that. Mais avant, il vit que cela a été bon. But before he saw that it was good. Je prie que Dieu nous donne la force de le faire à chaque fois. I pray that God give us strength to do it every time. L'accomplissement. Accomplishment. Et puis il dit j'ai accompli l'œuvre. And he said I have accomplished the work. Il veut nous dire nous avons une œuvre à accomplir. It means that we have a work to finish. Cette œuvre est une mission. That work is a mission. Que lui-même nous a assignée. That he himself. C'est une vocation, it's a vocation que le Père a donnée à chacun. That the Father has given to all of us. Je ne peux pas accomplir ton œuvre, mon frère. I can't accomplish your work, my brother. Je ne peux pas accomplir ton œuvre, ma sœur. I can't accomplish your work, my malgré sister. Toute la bonne volonté que despite je peux avoir. All the goodness I may je have. Ne peux pas accomplir l'œuvre de ma femme. I can't accomplish the work of je my ne peux pas accomplir l'œuvre de mes enfants. I can't accomplish the work of je my ne peux children. Même pas chercher à m'accomplir par mes enfants. Even I can't be accomplished by my children. Chacun a sa propre destinée. Everyone has his own destiny. Et à cette destinée est attachée une œuvre. And to that destiny is bound a work. Dieu confie à chacun une œuvre. God gives to everyone a work. Un travail. A work. Dans ce verset là, œuvre c'est travail. In that verse, handiwork means a work. Et il entoure cette œuvre. And he surrounds it. Des dons qu'il nous donne. With gifts he has given il us. Il nous confie des dons. He gives us parce gifts qu'il y a une œuvre que nous devons accomplir. Because there's a work to be accomplished. Et déjà,
à partir de ces dons, c'est un indicateur pour connaître mon œuvre si je ne la connais pas. Through those gifts, I can know what is my work if I don't know it. Jésus n'a pas accompli l'œuvre, de Jean-Baptiste. Jesus didn't perform the work of John the Baptizer. Il dit, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. He said, I have finished the work you have given me to finish. Et Jésus est notre exemple parfait. And Jesus is our perfect example. Jésus avait une œuvre bien déterminée. Jesus had a set goal. Il avait ça bien défini à l'esprit. He had it very clear in his mind. Il était venu pour un but et une cause. He came for a goal. Il n'était pas sur terre par hasard. He was not on the earth by hasard. Devant le gouverneur Pilate dans Jean 18, 37. Before Pilate in John 18, verse 17. Pilate lui dit, tu es donc roi. Pilate said, are you king, right? Jésus répondit, tu Jesus le said, dis. You said it. Je suis roi. I am king. Qui es-tu? Who are you? Qui êtes-vous? Who are you? Il dit, je suis né. He said, I'm born. Et je suis venu dans le monde. And I come on the earth. Pour rendre témoignage à la vérité. To give testify. C'est to ça truth. Mon but. That is my goal. Si on te pose la question, qui es-tu? If they ask you the question, who are you? Que fais-tu? What do you do? Que répondras-tu? What will be your answer? Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Whoever is of the light, listen to my words. Dieu a défini des objectifs. God has set goals pour chacune de nos vies. For all of our lives. Et les a inscrits dans un livre. And he put them right now et, on a book. Et le psalmiste David nous dit and Psalmist David says que chacun de nous a un livre au ciel. That everyone has a book in heaven. Psaume 139, 16. Psalm 139, verse 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, when I was formless, tes yeux me voyaient. Your eyes were on me. Et sur ton livre and in your book, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Were written all days that were mine. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. In your book was written all days that were mine. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Anyone of pas juste le jour où il est écrit David va manger, David not va faire ceci. Non. The day it's written, David will eat, David will dans ces jours, il y avait des objectifs quotidiens à accomplir. In his goal, there was daily objective you have to meet. Éphésiens 2, 10 nous dit. Ephesians 2, verse 10 says, nous sommes son ouvrage. We are his handiwork. Nous sommes son chef-d'œuvre. We are his handiwork. Nous sommes son poème. We are his poem. Ayant été créé en Jésus-Christ. Created in Christ Jesus. Pour des bonnes œuvres. For good works. Que Dieu a préparées d'avance. That God prepared before. Afin que nous les pratiquions. So that you may accomplish les bonnes œuvres. Good works. Et ces bonnes œuvres, je le dis. And those good works, I mean. Il les entoure des dons, des capacités, des compétences. With capacity, talents, gifts. Personne d'autre ne peut le faire. No one else can do it. Parole vivante dit. Living words say. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. What we are, we receive it from the Lord. Il nous a recréés en Christ. He created us new in Christ. Pour nous faire accomplir. To accomplish. Dans la communion avec lui. In fellowship with him. Les bonnes actions. Good actions. Qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. That he prepared before time for us. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. That's why the life conforms to the will of God. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. For which he has ordained everything. Il a préparé notre chemin. He has prepared our way. Afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. So that we just walk through it. Dieu a planifié notre chemin au préalable God has planned our, afin our que way, nous les pratiquions. So that we accomplish work. Il n'est pas it. Dit afin que nous soyons forcés ou contraints de les pratiquer. It didn't mean so that we may be obliged to accomplish. Tu peux refuser. It. You may refuse. Mais malheureux comme toi sur terre, il n'y en aura but pas. Sad as you on the earth, there's none. Quelle est cette œuvre que what tu dois accomplir? What is that work that you have to accomplish? Dans la Bible, on voit Luc, lui, son œuvre. We can see Luke in the Bible. Il devait accomplir, c'était d'être médecin. His work was to be a physician. Daniel, lui, devait être conseiller des rois. Daniel should be king's advisor. Chacun doit accomplir quelque chose. Everyone has to accomplish something. Nos actions sur terre, our actions on the earth, doivent être en synchronisation. Should be in synchronization. Avec ce qui est écrit au ciel with pour what nous. Is written in heaven for us. J'aime beaucoup la vie de Jésus. I like Jesus' life. Et voilà pourquoi je le prends comme exemple. That's why I take him as example. Et pendant ces quelques dimanches, nous le prendrons encore comme exemple. And for some Sundays, we take him as celui an qui example. Était pleinement Dieu et pleinement homme. He that was plainly God. Il est venu nous montrer man. Comment l'homme avec grand H, l'homme, homme, femme, doit how men, vivre sur men terre. And women should live on the earth.
Matthieu 8, 16 à 17. Matthieu 8, verse 16 to 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On nous débloque them, debunk him. Il chassa les esprits par sa parole. He cast out spirits by his word. Et il guérit tous les malades. And he healed all sick people. On pourrait penser que c'est un hasard. You may think that it is by chance. Le verset 17 nous dit, verse 17 says, afin que s'accomplit so that may be accomplished, ce qui était arrivé était annoncé par Isaïe le prophète. What have you proclaimed by Isaiah, the il a pris nos infirmités he has taken our et il s'est chargé de nos maladies. And he took on his our sicknesses. Si ce jour-là, if that's the, Jésus n'avait pas chassé les démons, Jesus didn't cast out il n'avait demons, pas guéri les malades, he didn't heal sick il ne serait pas en phase avec ce qui est écrit au ciel le concernant. Not be in conformity with what is written in heaven concerning afin him, que s'accomplit l'écriture. So that they be accomplished the scripture. Est-ce que ce que tu fais, the, what you are doing, c'est conforme à ce qui est écrit au ciel pour conform toi? Conform with what is in heaven. Alors you, là, moi, mon maître, Jésus, il me défie. This is a challenge for me from my master Jesus. Matthieu 13, 34 à 35. Matthieu 13, 34 to 36. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Jesus told the crowd all those things through parables. Et il ne lui parlait point sans parabole. And told them nothing except parables. Afin que s'accomplit so that be accomplished ce qui avait été annoncé par le prophète. What was proclaimed by the prophets. Et le prophète a vu cela en esprit, ce and qui était écrit au ciel. Saw it in the spirit, what was et il a déclaré. And he declared it. Et lorsque il parle en parabole, and when he spoke in parable, Matthieu nous dit afin Matthew que s'accomplit so that may accomplish ce qui avait été écrit par le prophète. What was written by the prophet. J'ouvrirai ma bouche en parabole. I will open my mouth je publierai parable. Des choses cachées depuis la création du monde. From the beginning of the world. Est-ce que tes actions do your actions sont conformes à ce qui est écrit au ciel? In conformity with what is written in heaven? Oh, combien le ciel est triste. Oh, il ne devait pas faire ça. Oh, how much you say he should not have done voici it. Ce qui est écrit what dans le livre pour lui. What is written in the book about him? Ce qui est écrit dans le livre. What is written in the book? Il y a même les épreuves qui sont écrites dans le livre, dans there ce are, livre au ciel. There are even tests you have to pass through. Souvent, tu penses qu'il y a des choses qui t'arrivent qui sont un hasard. Sometimes you think that things you are passing through are just alors qu'au ciel, c'est écrit. But it's written even in et heaven. Le ciel attend and heaven is waiting que tu puisses bien réagir. That you may react well. Quand tu réagis mal, when you react badly, on dit que ce n'est pas comme cela devait être, cela a été écrit. It is not like it's Matthieu 27, 35. Matthew 27, après l'avoir crucifié, after having crucified ils him, se partagèrent ses vêtements they share his garments, his en tirant au sort. By casting lots. Ces soldats-là sont en train de penser qu'ils sont en train de l'humilier. Oui, they ils sont en train de l'humilier. That they were humiliating him. Yes, indeed, they are doing so. Matthieu dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Matthew says so that they may be accomplished what ils was se sont partagés mes vêtements. Prophets, that they have cast lots. Et ils ont tiré au sort ma tunique. And they have taken my tunic. L'œuvre à accomplir dans cette vie the work to accomplish in this life a été déterminée has been set avant que nous ne soyons formés before we may be formed dans le ventre de notre mère. The stomach of our mothers. Dans Jérémie 1, verset 5, Jeremiah 1, verse 5, on nous dit, avant que, Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, the Lord said, before I may form you in the je te connaissais. Of your mother, I know you. Avant que tu fusses sorti de son sein, before you may come from his womb, je t'avais consacré. I have consecrated you. Je t'avais établi prophète des I have nations. Established you prophet over nations. Le Seigneur, il avait changé les cartes de plusieurs de ceux-là qu'il avait appelés. The Lord has changed the plans of those he has called. Quand vous lisez Jérémie 1, verset 1, when you read Jeremiah 1, verse 1, la Bible nous dit parole de Jérémie, fils d'Ilkija. The Bible says word of Jeremiah, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, one of the sacrificators dans le pays of Anatoth, de Benjamin. In Benjamin's land. Vous allez vous rendre compte que Jérémie, you realize that Jeremiah, Ézéchiel, Ezekiah, étaient fils des sacrificateurs. They were sons of high priests. Of priests. Et on recevait le sacerdoce ou la sacrificature par la naissance. And sacerdoce was received by birth. Et Dieu est en train de dire à Jérémie, si tu penses que tu vas devenir sacrificateur comme ton père, and tu te trompes. Meaning to Jeremiah that if you want, if you think that you will become, c'est vrai, a sacrificator, c'est moi qui ai établi like que le fils d'un sacrificateur sera sacrificateur. It's I that said that the son of a priest should be a priest.
Mais moi-même, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, but before I'm formed in the womb of your mother, je t'avais établi prophète des nations. Established you prophet over nations. Pourquoi veux-tu te limiter? Why do you want to à être sacrificateur? Yourself by being just a priest. Lorsque je te voyais, il s'agissait des nations. When I was looking at you, it was about nations. Et cela est l'œuvre de la grâce de Dieu. That's the work of the grace of God. Galates 1, verset 15, l'apôtre Paul dit, 1:15, Paul, the apostle, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, when it pleased him that set me apart from et qui a appelé par sa grâce, and that called me by his grace, et qui m'a appelé par sa grâce, and that called me by his grace, alors qu'il était en train de persécuter l'église, as he was persecuting il church, poussait même les chrétiens à blasphémer. He was even, he wanted Christians to blaspheme. Il les frappait. He was even beating them. Il a approuvé la mort d'Étienne. He agreed the death of Étienne. Au ciel, ce qui était écrit le concernant, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait sur la terre. In heaven, what was written concerning him has nothing to do with what he was voilà doing. Voilà pourquoi on a annoncé l'Évangile. That's why you have to proclaim the gospel. Pour que les gens, en ayant reçu Christ, so that people accepting Christ, qu'ils puissent entrer, may enter dans ce que Dieu a prévu pour what eux. God has planned for them. Il faisait toutes ces choses, allant prendre même les lettres auprès des sacrificateurs. Il allait de ville en ville persécuter. He was doing all that work, even taking letters les chrétiens. Town to town to persecute. Et au ciel, on dit non. In heaven, they say no. Ce qui est écrit ici, si tu dois aller de ville en ville pour gagner les âmes, in pour heaven, guérir les malades, pour chasser les démons. Move from town to town to heal people, to cast out demons. En fait, le diable était en train de les détourner. The devil was putting him astray. De l'œuvre qu'il devait accomplir. From the work he has to perform. Ecclésiastes 3, verset 14. Ecclesiastes 3, verse 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. I've acknowledged that all that God do will last forever. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Nothing to add, nothing to remove. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. And God works that way so that he may be feared. Ce que Dieu fait durera toujours. What God perform will last forever. Ce que nous faisons ne durera pas. What we do will not last. Ce n'est pas moi-même it's not I by myself qui vais ajouter quelque chose à ma vie. That will add something to my life. Ce n'est pas un membre de ma famille. It's not my family member. Ce n'est pas le gouvernement de mon pays it's not the government of my qui country va ajouter quelque chose à ma vie. That will add something to my life. Mais encore faut-il que je sois en alliance avec Dieu. I have to be first et que je puisse pratiquer ce qu'il me demande so d'accomplir. What he asks me. Il dit, il n'y a rien à y ajouter, he said, rien à y retrancher. To add, nothing to remove. Donc on le dit, on ne doit pas aider Dieu en ajoutant des choses. It means that we should not help God. On ne doit pas l'aider en retranchant des choses. We should not help God by removing things. Et ce passage nous montre que Dieu, il a un plan, il a un but. And this passage shows that God has a plan, a purpose. Il a un projet. He has a project. Une œuvre pour nous, un travail pour nous. A work, a handiwork for us. Et rien ne peut empêcher l'accomplissement de ce dernier. And nothing will hamper the accomplishment of personne that work. Ne peut empêcher l'accomplissement de none ce dernier. Can hamper the accomplishment of mais toi, tu peux empêcher but only son you accomplissement. Can hamper that accomplishment. Tu peux refuser. You can refuse. Aucun sorcier ne peut arrêter l'œuvre que tu dois accomplir pour no le Seigneur. Sorcerer, wizard, may mais toi-même, tu peux arrêter stop cela. But only you can stop that work. L'accomplissement de l'œuvre que Dieu nous confie, accomplishment of the handiwork, ça réjouit la création. It rejoices even the whole creation. Romains 8, verset 19. Romans 8, verse 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de the Dieu. Creation is waiting for the manifestation of sons of God. La révélation des fils of de Dieu. Revelation of sons of God. Dieu se présente comme étant le Dieu des projets. God present himself as God of projects. Il a des projets qu'il a formés sur vous. He has projects that he has planned on vous le your connaissez, life. C'est bien. You know them, it's good. Est-ce que vous les accomplissez? But do you accomplish them? Vous ne le connaissez pas. You don't know it. Ce n'est pas bien. It's not good. Il faut demander au Seigneur, quel est ton projet you pour moi? You should ask the Lord, what is your project for me? Vous savez, dans cette vie, beaucoup de gens ont des projets pour nous. You know, in this life, there are people having projects for us. Tu es là, tu es en train de progresser dans la vie. Ton professeur, même qui t'apprécie tant à l'école, peut avoir un projet pour toi. You are growing up in school, but your, even your own teacher may have il a project dire, for you. Il peut même dire bon pour faire telle chose dans la vie. He said it can mean you are good to do this in life. Quelqu'un aussi peut avoir le même professeur peut avoir un projet. Il n'est pas bon pour faire ça. C'est son projet. Can have a same project. He's not good to do this. Lui là dit il n'est pas bon pour faire ça. It's not that he don't deserve Dieu to do dit this. Il est bon pour faire ça. But God say he is good to do it.
son évaluation peut être mauvaise. His evaluation, his checkup may be mais l'évaluation bad, de Dieu n'est jamais mauvaise. But the checking of God may never be bad. Il a regardé Joseph. He looked to Joseph. Il a dit, c'est lui là. You see, this one, il sera gouverneur. He'll be governor. Les frères de Joseph l'ont regardé. The brothers of Joseph look at him. Ils se sont dit, c'est lui là, c'est un problème. You see, no, this one is a problem. Vous voyez? You see? 10 de ses frères disent, lui c'est un problème, on doit le vendre. Of his brothers say, this is a problem, you have to sell him. Dieu le regarde et dit, lui c'est une solution. But God see him say, this is a solution. Et quand Dieu parle, but when God speaks, il a la majorité absolue. He has the ça prendra le majority. Temps que ça va prendre. It may take the time needed. Si on s'attache à lui, if we get closer to him, on sera étonné de ce qu'il va accomplir. We'll be tu peux acclamer le Seigneur. Astonished by what he will accomplish. Sois libre. Quelqu'un voulait acclamer le Seigneur et il s'est arrêté. Tu peux l'acclamer même tout seul, il n'y a pas de problème. N'attends pas les autres. Alone. C'est une expression de louange. It's an expression of praise. Tu voulais acclamer le Seigneur, les autres ne t'ont pas accompagné, tu t'es arrêté. Non. C'est une expression de louange. Tu dis gloire à Dieu. Don't stop yourself. Peuple de la terre, battez des mains. Say, people of the earth, personne ne doit intimider. Don't be intimidated. Quand tu as acclamé, tu voulais dire que c'est pour moi ça. When you give the Lord a hand, you mean it's mine. Je suis une solution. I'm a solution. L'œuvre de Joseph, the work of Joseph était de permettre que l'Égypte triomphe des 7 années de famine. It was to lead Egypt throughout the 7 pas seulement l'Égypte, mais le monde d'alors. Not only Egypt, but on venait de partout world. Acheter. People come from everywhere to buy. Tout ce que Joseph avait planifié pour les 7 années de famine. All that Joseph has set for famine 7 years. Il n'était pas pasteur. He was not a pastor. Il n'était pas apôtre. He was not an apostle. Il n'était pas évangéliste. He was not an evangelist. Mais il avait une œuvre à accomplir. But he had a work to accomplish. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est bien plus large. When we talk about the word of God, qu'est-ce que nous accomplissons ici à l'église? What we accomplish c'est le royaume de Dieu. It's about the kingdom vous savez, of dans, God. Dans ce royaume, you know, in that kingdom, l'église a une part importante. Church has a very l'église important est dans ce royaume. Church is in that kingdom. L'armée des cieux, les anges se trouvent dans ce royaume. The celestial army, angels, are in that kingdom. Et ce royaume est grand. And that kingdom is great. Et l'église a pour objectif d'étendre ce royaume. And the goal of the church is to expand. L'église n'est pas kingdom là pour restreindre le royaume the de church Dieu. Is not there to bring the kingdom of God shorter. L'œuvre d'Esther dans la Bible Esther's work était in the Bible de sauver le peuple de Dieu contre le plan de destruction de Haman. Was to save the people of God. Il fallait from que le peuple élu soit préservé. They have to be preserved. Chacun de nous a une œuvre. Everyone has a work. Qu'est-ce que toi tu dois accomplir? What you should accomplish? Qu'est-ce que le ciel retiendra de toi? What will heaven keep about you? Ah, ne demandez pas à Esther d'être comme Joseph. Don't ask Esther to be like Joseph. Ne demandez même pas à Esther d'être comme Déborah qui était juge et prophétesse en Israël. Don't ask Esther to be like Deborah, judge in Israel. Elle ne portait même pas le même nom. L'une c'est Esther, l'autre c'est Déborah. They don't even have the same name. Et, one is Esther, et même the si elle portait le même nom, even though they may have the dans same la Bible, name. Il y a une Déborah, elle était nourrice de in Rachel. The Bible, there was a Deborah, but he was the one nourishing. Seigneur, dans la Bible, nous donne tous ces exemples God pour nous montrer que nous sommes différents to show that et nous are devons accomplir son œuvre. And we have to accomplish his Esther, work. Alors qu'elle craignait, elle dit, mais moi je n'ai pas vu le roi. Il est vrai que c'est mon mari, mais ça fait 30 jours, je n'ai pas été appelé. Esther was fearful, that is my husband indeed, but son cousin lui dit, va le voir, on va détruire ton peuple. His cousin said, go to see him because dit, your people are going to be destroyed. Comment ferais-je? J'ai dit, vas-y. How can I make it? He said, go your way. Elle résiste, son cousin lui dit. She resisted, but nous sommes dans Esther 4, Esther 4, 10 à 14. 10 to 14. Si tu te tais maintenant, if you shut up now, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. From elsewhere for Jews, et toi et la maison de ton père, vous périrez. But you and your family's household, you si will perish. Tu ne fais pas, le secours viendra de quelque part if d'autre. You don't do it, the help will come from somewhere else.
Tu es le moyen par lequel le secours doit venir. You are the canal. Tu es la solution, mon frère, ma soeur. My brother and my sister. Alors si tu refuses, so Dieu confiera cela à quelqu'un d'autre. God will give it ah to non, moi else. Je refuse que ce qui est à moi, que cela soit confié oh, à I quelqu'un refuse d'autre. That what is mine may be given to somebody else. Et il lui dit, et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci and que tu es parvenu à la royauté. Who knows if it's not for a time such like this that you have come to the kingship. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es devenue directrice. And who knows if it's not by this time that qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es devenu premier ministre. Who knows if it is not by such a time that you have become prime minister. Accomplir l'œuvre de Dieu. Accomplish the work of God. Chacun de nous a une partition à jouer. Everyone has a partition to Il y a des gens qu'on voit rapidement dans la Bible. There are people we see quickly in the Bible. Mais qui avaient un plan à accomplir. But they have plan to accomplish. La Bible nous parle de cette femme. The Bible talk about this woman. Dont parle le juge 5. Of Judge 5. Pas Déborah. Jaël. Of Jael. Elle, son objectif, c'était de tuer Sisera. It was just to kill Sisera. Qui faisait du mal à Israël. That do harm to Israel. Elle a joué juste sa partition. She just played her partition. Et cela a changé sa vie à jamais. And it has changed her life forever. On parle d'elle ce matin. And even today we speak about her. Souvent, tu veux te comparer avec les autres, les œuvres des autres. C'est bien also leur œuvre. You want to compare yourself with others. It's good their work. Rahab devait être en ces lieux-là. Rahab has to be on that pour place cacher les espions to hide the spies et pour elle-même croire au Dieu d'Israël. For herself to believe in the God of c'était Israel. Juste sa part. It was her portion. Quelle est ta part? What is your portion? Admettons que tu meurs demain. Just imagine demain, là, tomorrow, demain, just demain. Tomorrow. Oui, demain 4 juillet. 4th of July, you are dead. Qu'est-ce que le ciel retiendra what de will toi? Heaven keep about you? Moi, c'est la question que je me pose toujours. That's the question I ask myself always. Si je m'en vais aujourd'hui, if today I go my way, qu'est-ce que le ciel retiendra what de will moi? Heaven keep about qu'est-ce you? Que les brebis retiendront de what moi? Will sheep keep about qu'est-ce you? Que ma femme retiendra what de moi? My wife will keep qu'est-ce about que me? Mes enfants retiendront de what moi? Will my children keep about me? On a une mauvaise conception de la mort. Hein. We have a bad conception on a tellement of de projets que nous faisons à long terme. We have project for on long ignore time que la mort peut arriver à tout that moment. We ignore that death can come at any time. Tous tels que nous sommes, everyone as we are here, nous avons été surpris par la mort de certains de nos proches. We have been surprised personne ne peut dire n'a jamais été surpris par une mort who can say de that quelqu'un qui lui est proche. Amazed by somebody that is dead, closer to him. Cette surprise doit nous dire quoi? That surprise means cette surprise va nous faire comprendre qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres de la it vie. Should tell us that we don't master all parameters of life. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous parle d'aujourd'hui. That's why the Bible, it's aujourd'hui, about si on entend sa voix, n'endurcit pas ton cœur. Today, if you listen to rarement, voice, la Bible parle de demain. Rarely the Bible aujourd'hui talks about tomorrow. It's about today. Qui est en train de dire ah, ce pasteur là est en train de prêcher sur l'esprit des morts. Somebody is saying pastor is preaching about the spirit of death. Quand tu réalises que ta vie est brève sur when terre, when you realize that your life is brief on the earth, tu ne blagueras pas avec la you vie. You will not joke with life. Tu ne blagueras pas you avec la joke vie. With life. L'œuvre de Tabitha. The work of Tabitha. Dans Acte 9. In Act 9. Était de faire des tuniques pour les veuves. Les tuniques et les vêtements pour les veuves. C'était ça. And garments for widows. Après sa mort, les veuves même présentes. Voici ce qu'elle faisait quand elle était au milieu de nous. After her death, widows show garments. Quand tu ne seras plus là, qu'est-ce que nous allons montrer? When you no more be there, what can we show? What can we show? Ah bon, quand il était là, il parlait beaucoup. When he was there, he quand il était là, il était tout le temps en colère. He was all the time angry. Il boudait tout le monde à la maison. And he was mad about everyone at home. C'est quoi retiendra de toi? That's what we keep about you. Qu'est-ce qu'on pourra retenir what de toi? What can we keep about you? Il y a plusieurs années de cela. Some years ago, j'ai lu ce livre. I've read a book. La main du miracle. The hand of the miracle. De ce grand médecin américain. That's physician, American, great physician. Benjamin Carson. Benjamin Carson. Il a été le premier à séparer les bébés siamois. He was the first one to separate two. On l'apprécie dans le monde entier. He's appreciated in the whole world. Mais moi, je n'aime pas m'arrêter sur l'appréciation que les gens peuvent donner à quelqu'un. But I don't just stop on the appreciation. J'aime comprendre comment la personne en est arrivée là. I want to understand how did that person reach j'essaie to that de point. Voir sa vie et étudier un peu sa vie. And I check and study his life. Et je me suis rendu compte que and I realized that ce qu'il était devenu, c'était sa mère. What he has become was the fruit of his cette mother. Femme a accompli l'œuvre de Dieu.
the woman has accomplished the work of God. En élevant ses deux garçons. By raising up two boys. Sans père. Without a father. Il les a élevés, elle les a élevés seuls. She raised them alone. Ses enfants, à un moment, sont devenus des voyous, des délinquants. At the moment, they became like brigands. Ils n'avaient plus de bonnes notes à l'école. They had no marks, good marks at school. La dame dit, c'est fini maintenant. Plus de jeux, plus you de say, télé. No, it's over. No more games, no more TV. Maintenant, vous devez étudier, réviser vos leçons. Now you have to study and review your lessons. Elle a été ferme. And she was firm. On ne sait pas ce qu'il lui a appris. Elle dit, désormais, vous allez commencer, après vos devoirs, vous allez commencer aussi à lire des livres. And said, now, after your homework, you et vous allez me faire des résumés. And you make some resume. Et ils lisaient deux livres par semaine. And they used to read two books. Des jeunes enfants adolescents. Just teenagers. Et ils exposaient devant la mère. And they make presentation before ils ont exposé mother. Pendant longtemps. Long time they make presentation. Et ils ont pris l'habitude de travailler, d'être brillants à l'école. And they used to be bright at school. Et à la fin, and at the end, ils vont réaliser. They will realize que leur maman mother, ne savait ni lire ni écrire. How to write nor read. Elle acceptait seulement les résumés, so, l'exposé. Que the rien n'était limite. Il y a des gens you. Qui aiment tellement se limiter par rapport à ce qu'ils n'ont pas. Je n'ai pas fait des grandes études. Je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait cela. Peut-être même des parents aussi plus instruits que cette dame. Maybe parents more instructed than that woman n'ont pas pu donner au monde quelqu'un comme Ben Carson. Has not given to the world somebody like Ben Carson. Arrête de voir que les impossibilités. Just stop seeing only tu as une œuvre à accomplir. You have a work to finish. Tu as une œuvre à accomplir. You have a work to accomplish. Et cette œuvre à accomplir to accomplish deviendra une nourriture pour toi. Will become a food for you. Tu ne pourras t'en passer. You can't miss it. Dans Jean 14, 31 à 34, John 14, Jésus parle avec la femme samaritaine. Jesus is speaking with the Samaritan. Il envoie woman. Ses disciples aller en ville acheter la nourriture pour qu'ils mangent. He sent his disciples to go to the town to bring food. Et quand ils arrivent, and when they are back, ils pressent Jésus à manger. They urge Jesus to eat. Rabbi, mange. Rabbi, eat. Il dit, j'ai à manger une nourriture que he vous said, ne connaissez pas. I have a food you do not know. Il dit, ah, quand même toi aussi. Pourquoi tu me fais ça? What do you exaggerate that way, you? Les disciples se posent la question. Disciples est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger? Did somebody bring him food? Il dit, ma nourriture he said, my food est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. The will of he that sent me. Et d'accomplir son œuvre. And to accomplish his work. Quand tu fais quelque chose que Dieu te recommande d'accomplir that God recommends avec to tous les dons qu'il t'a donné with all the gifts he has given you, tu vas même oublier de manger you will even forget to eat. Mais toi la première chose à laquelle tu penses but quand you, tu t'élèves c'est la nourriture when you raise up is about food. Ma nourriture est de manger my food. My food is to eat. Toi ta nourriture c'est ça your food is to eat. Mais Jésus dit, je suis tellement concentré said, à faire quelque chose to do the work que j'oublie même de manger. That I even forget about food. Je suis tellement préoccupé. I'm so preoccupied. Je suis tellement focus. I'm so focused. C'est que je dois accomplir pour mes enfants on à la work, maison. I have to do for my children at home. Je n'ai même pas le temps de manger. I don't even have time for food. L'œuvre de Dieu. The work of God. Il devient alors son appel sur notre vie. It becomes your call, the call on your life. Proverbe 19, 20 à 21. Proverbe 19, 20 écoute 20 les 21. Conseils. Listen to advice. Et reçois l'instruction. And receive instruction. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. So that you may be wise in your days to come. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. So that you may be wise. Quel est ce conseil? What is that advice? Quelle est cette instruction? What is that instruction? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. There is in the heart of man a lot of projects. Mais c'est le dessein de l'Éternel but qui s'accomplit. Only the scheme of God that comes through. C'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Will of God that c'est l'œuvre de l'Éternel qui s'accomplit. The work of God that is accomplished. J'aimerais nous dire une chose en finissant. I would like to tell you as we on reviendra probablement sur ça les prochains dimanches. We'll come back on it on Sunday. Accomplir l'œuvre de Dieu to accomplish the work of God est limité dans les temps. Is limited in time. C'est limité dans le temps. Is limited in time. Un jour, one day,
Dieu dira comme dans le psaume 90, God will say verset 3, like in Psalm 19, verse 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. You make men enter into dust. Et tu dis, fils de l'homme, and you say, man, retournez. Son of man, come back. La vie sur terre a une fin. Life on the earth have an end. Ne vis pas comme si cette vie-là n'avait pas de fin. Don't live like though this. Mais avant de mourir, life has no end. But before dying, tu dois accomplir l'œuvre de Dieu. You have to accomplish the work of God. C'est que Dieu t'a confié. What God has put into your hands. Chaque homme a une œuvre de Dieu à accomplir. Jacob has a work to finish. Et il faut le faire. And you have to finish. Et de ceux-là qui ont accompli cela à 34 ans, à 35 ans. There are people that have finished it at 34, 35 years. D'autres à 70 ans comme David. Some at 17 like David. La Bible nous dit il accomplit les desseins de l'Éternel. The Bible means that he has accomplished the schemes of God. Et Jésus lui c'était à 33 ans. And Jesus he was at 33 years old. Cela me prouve show que la bénédiction that the blessing ne signifie pas toujours une longue durée de vie. Mean not a life of days or length of years. Il dit vraiment, il est resté longtemps, il est béni. Hein? Ah, he's blessed. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans he la lived vie? Long life. But what has he accomplished in life? Jacob a 130 ans. Jacob at 130 years old. Dans Genèse 47:9. In Genesis 47. Il dit à Pharaon, 9, he told Pharaoh, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et the mauvais. The days of years of my life were few. À 130 ans, he was 130 ses jours ont été peu nombreux et but mauvais. His days were bad and few. Et Jésus a 33 ans. And Jesus at 33 years il a dit old. Tout est accompli. He said everything is finished, everything is accomplished. J'ai fini. I finished. J'ai fini. I finished. Si Dieu mesurait sa bénédiction, if God measures his blessing, en termes de longueur de vie, in terms of length of days, alors Jésus therefore, Jesus devait être maudit. Should have been cursed. Parce qu'il est mort à 33 ans. Because he was dead et at même dans Isaïe 53, on dit, even in Isaiah 53, nous l'avons considéré comme puni et frappé de we Dieu. Have considered him punished les by gens God. N'avaient pas compris. People did not mais understand. Comment il peut partir si tôt quand Isaïe a vu cette vision, when Isaiah saw that vision, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Who has believed in what has il dit qu'il us. A fini à 33 ans. He has finished at 33 years old. La durée de vie. The length. Est lié à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Is bound to the accomplishment et Jacob, of the work of Jacob était sincère, il dit 130 ans. Jacob was sincere when he means 130 mais mes jours ont été mauvais. But my days were bitter. J'ai passé mon temps à tromper les gens comme tu fais là. It's tu like vois, I've spent my time. Ouais, tu roules les gens dans la farine, c'est ça people. Ta vie. That is your life. Tu risques de dire comme Jacob aussi you à 130 ans. Like Jacob in the 130 mais tu years peux aussi te rattraper. But you can even gain the time. Les 17 années qu'il a passées en Égypte, c'était les meilleures années de sa vie. Were the best year in his life, c'est un Dieu de grâce. It's a God of favor. Mais ne méprise pas cette grâce. But do not despise that grace. T'es-tu écarté de cette œuvre? Did you maybe come out of alors that work? Reviens. Come back. Il y a des ceux-là qui connaissent ce qu'ils doivent accomplir. There are people that know what they have to accomplish. Mais ils doivent revenir. But they have to come back first. Celui qui vous a appelé est fidèle. He that called you is faithful. Et c'est lui qui le fera. And he will make it. Nous dit 1 Thessaloniciens 5:24. Tu dis non, cette œuvre me paraît très grande, say, voire no, impossible. This work seems impossible. Oui, c'est parce que ça vient de Dieu. It's because it comes from God. Puisque ça vient de Dieu, as it comes la from capacité God, pour l'accomplir aussi viendra de Dieu. To perform it comes from God. Parce que nous devons accomplir cette œuvre. We have to accomplish that work. Parce que c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. Because it's the work of the Lord that c'est ce que Jacob a dit à Joseph. That's what Jacob told lorsqu'il Joseph le bénissait. When he blessed him. Dans Genèse 49, Genesis 49, verse 25. C'est l'œuvre de Dieu de ton père qui t'aidera. It's the work of the God of your father. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Of the Almighty that will bless you. Et cette œuvre-là, ce n'est pas seulement devenir pasteur. And non. That work is not about non, non, non. Being a pastor. No. Il dit ce que tu es en train de faire en Égypte. Là, c'est ce qui va te bénir. What you are doing in Egypt, that's what will des bless bénédictions you. Des cieux en haut. Blessing of heaven above. Des bénédictions des eaux en bas. Of the seas above. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Oh, blessing of mammals and breasts. Alors que je finis, as I'm finishing, j'ai fait cette prière comme l'auteur de l'épître aux Hébreux. I make that prayer like the author of Hébreux 13, 20 à 21. 13, 21. Que le Dieu de paix, make the God of peace, qui a ramené d'entre les morts, that brought to, from death, le grand pasteur de brebis, the great pastor of sheep, par le sang d'une alliance éternelle, through the blood of an everlasting notre covenant, Seigneur Jésus, our Lord Jesus, vous rende capable. Make you
able de toute bonne œuvre. For every good work. Vous rendre capable make you able de toute bonne œuvre. For every good work. Pour l'accomplissement de sa volonté. For the accomplishment of his will. Pour l'accomplissement de sa volonté. For the accomplishment of his et will. Fasse en vous and make in you ce qui lui est agréable. What is pleasant to par him. Jésus-Christ. To Jesus, auquel soit la gloire. To whom is glory, au siècle des siècles. Forever and ever. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. May God bless you. Invitez à nous tenir debout. I invite you to stand on your feet. Nous allons prier. We are going to pray. Pour ce que nous avons reçu en ce matin. About what you have est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom can du Seigneur pour sa parole encore Lord qu'il a envoyée word. En ce matin. He has given us Seigneur a envoyé morning. Sa parole afin de t'équiper. He sent forth his word to equip et you. En ce matin, and je crois morning, que tu es équipé. I believe that you est-ce have que tu equipped. Peux élever la voix et dire can merci au Seigneur? Rends-lui grâce encore pour sa bonté envers toi qui s'est manifestée en ce qu'il a envoyé sa parole pour toi. Il a envoyé sa parole afin de t'encourager, afin de te relever encore, afin de te montrer que c'est possible de bien commencer, mais c'est encore possible de bien finir. Alors élève la voix et rends grâce au Seigneur. Élève la voix et rends grâce au Seigneur. Ramanderebo shataya, kerema shata ya rabashe kerebo sata, yenda reba shata, kenderebo shata yekarabasata. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta bonté, Seigneur. Manifestez envers nous. Merci parce que en ce matin tu viens encore this nous enseigner morning, sur la grâce de l'accomplissement. Ah Seigneur, merci. Thank Seigneur, you, Lord. Tu nous as montré le thank modèle parfait en ta personne, Jésus. You, et nous croyons que c'est possible aussi pour nous de bien finir. C'est possible de bien finir. Seigneur, alors well. Que tu nous accordes la grâce de commencer, Seigneur, nous croyons que c'est possible de bien finir. Est-ce que tu peux déclarer ces choses alors que tu pries? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je le crois. Seigneur, c'est possible pour moi. Seigneur, de bien finir ce que j'ai commencé. Ah, parce que tu m'as accordé ta grâce. Tu m'as accordé ta grâce. Il est dit la grâce de l'accomplissement. La grâce de l'accomplissement. Seigneur, tu m'as enseigné encore que la grâce est cette capacité divine qui me donne d'accomplir ce qui semble impossible aux yeux des hommes. Ce qui est impossible aux yeux des hommes. Moi, je peux l'accomplir parce que je suis équipé par ta grâce. Je suis équipé par ta grâce. Et désormais, mes projets ne commenceront pas seulement, mais ils finiront dans le nom de Jésus. Est-ce que l'église peut élever la voix et prier ainsi? Dis Seigneur, je crois et je reçois Seigneur cette grâce de l'accomplissement. Je reçois cette grâce de l'accomplissement. Je reçois cette grâce de l'accomplissement. Élève la voix. Élève la voix et déclare-le. Élève la voix et déclare-le. Saisis la bénédiction qui est en partage en ce matin. Saisis la bénédiction qui est là en ce matin. La grâce de l'accomplissement. Dis Seigneur, désormais, je déclare Seigneur que Seigneur, je ne commencerai plus Seigneur pour arrêter en chemin. Je commencerai, Seigneur, et je finirai dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a là une bénédiction attachée au fait de finir de bien finir ce qu'on a commencé. De bien finir ce qu'on a commencé. Dans le nom de Jésus. Élève la voix et déclare cette bénédiction. Élève la voix et déclare cette bénédiction. Oh, que l'église élève la voix et prie. Que l'église élève la voix et prie. Oui, nous déclarons que même par rapport à ce projet d'achat d'un lieu de culte, alors que nous avons bien commencé, nous allons également bien finir ce que l'on a commencé dans le nom de Jésus. Parce que la grâce de l'accomplissement est notre partage. Parce que nous servons le Dieu qui n'est pas seulement l'alpha, mais qui est aussi l'oméga. Élève la voix et prie. Raise up your voice and élève pray. La voix et prie. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare la machata yenere boshataya. Ere machakata yenere boshataya. Ere macheka remandere boshataya ba. Seigneur, je finirai ce que j'ai commencé. Je finirai ce que j'ai commencé. J'accomplirai l'œuvre que tu m'as donnée. Ah, de même que Jésus à la croix. Seigneur, tu nous as dit encore en ce matin qu'il est notre modèle parfait. De même que Jésus à la croix. Je déclare qu'alors que je mourrai. Je dirai que tout est accompli. Ah oui, Seigneur, comme l'apôtre Paul. Le Seigneur, j'ai bien fini ma course.
réponse. Je suis en train de l'achever. Seigneur, puissant, il reste. Si ce n'est la foi en toi, la machata yaba, la machata yaba, yekele moche, yena la ma, yata la ma, yekele moche, yekele moche. Amen. Alléluia. Le Dieu de l'accomplissement. C'est le Dieu de l'accomplissement. C'est le Dieu de l'accomplissement. Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son œuvre, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Alors que Dieu nous a donné un modèle parfait en la personne de Jésus-Christ, nous l'avons vu encore en ce matin. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je prends l'engagement, Seigneur, d'accomplir chaque jour, Seigneur, ce que tu as en réserve pour moi, alors que je ne le sais peut-être pas, Seigneur, je prends l'engagement de te rechercher. Afin que tu me montres ces œuvres au quotidien que je dois accomplir chaque jour, afin qu'à la fin de ma vie aussi, à la fin de mon œuvre, je puisse déclarer comme Dieu a déclaré que cela est très bon, que cela est très bon. Donne-moi, Seigneur, chaque jour de pouvoir déclarer à la fin de la journée que cela est bon, que cela est bon, et à la fin de ma vie de déclarer que cela est très bon. Élève la voix et prends cet engagement. Élève la voix et prends cet engagement. Alors que nous poursuivons avec ce chant de la louange. Déclare ces choses. Déclare que tu vas bien finir. Parce que tu prends l'engagement ce matin. Tu prends l'engagement ce matin. Je suis déterminé que le Seigneur t'accorde jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé. Allez jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. À bien finir ma je suis déterminé. Allez jusqu'au bout. J'atteindrai mes objectifs. Je suis déterminé à bien finir ma course. Chacun de je suis déterminé. Allez, allez. Je suis déterminé. Plus rien ne peut m'arrêter à bien finir. Je suis déterminé. Allez, allez jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir. Je suis déterminé. Allez jusqu'au bout. Je suis à bien finir ma course. Je te demande pardon, Seigneur, de n'avoir pas fait ton œuvre jusqu'à présent. Seigneur, mais en ce matin, je me tourne vers toi.
Seigneur, je prends l'engagement de te chercher afin de connaître chaque jour l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Afin de connaître chaque jour, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Donne-moi de considérer un jour, aujourd'hui, donne-moi de considérer un jour, aujourd'hui, Seigneur, et de bien faire ce que tu me demandes de faire, aujourd'hui, Seigneur. Rama chataye, kederemo chatayaba, erema kataye, erema chatayaba. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir la course. Je suis déterminé. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Non, rien ne peut m'arrêter à bien finir ma course. Alléluia. Alors que nous sommes en train de finir ces moments, j'aimerais que tu puisses élever la voix et dire, Seigneur, je veux persévérer. Ce qui nous empêche parfois d'aller jusqu'au bout, et même très souvent, c'est le manque de persévérance. Alors est-ce que tu peux dire, même lorsque c'est difficile, Seigneur, accorde-moi de persévérer, jusqu'au bout. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis, Seigneur, je veux être persévérant. Je veux être persévérante. Seigneur, aller jusqu'au bout de ce que je commence. De ce que je commence en toi. Bien-aimé, assure-toi que ce que tu as commencé, tu l'as commencé en Jésus-Christ. Assure-toi de que ce que tu as commencé, tu l'as commencé en Jésus-Christ. Et dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de persévérer. Accorde-moi la grâce de persévérer. Père, nous te bénissons. Father, bless you. Nous te rendons toute la gloire. We give you all glory. Ah, Seigneur, tu nous dis, Lord, Seigneur, qu'il y a une grâce attachée à l'accomplissement. Seigneur, tu nous as encore enseigné en ce matin qu'il est bon de bien commencer, mais il est encore mieux de bien finir. Seigneur, nous savons que sans persévérance, nous ne pourrons atteindre les objectifs que tu nous as toi-même assignés avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère. Voici pourquoi, Seigneur, nous remettons entre tes saintes mains. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Seigneur, mais au-delà de cela, nous ne voulons pas que ta grâce soit vaine dans nos vies. Seigneur, nous voulons travailler. Afin, Seigneur, Père de gloire, qu'à la fin de nos vies, comme toi, nous puissions dire également que tout est accompli. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ces offrandes que nous t'apportons. Je prie afin que tu les bénisses, que tu les sanctifies, que tu les agrées et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Avec ce chant, nous allons également apporter nos offrandes au Seigneur. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir. Je suis déterminé. Je suis déterminé, aller jusqu'au bout. Déterminé, je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé, aller jusqu'au bout. Je suis déterminé, à bien finir ma course. Je suis déterminé, aller jusqu'au bout. Je suis déterminé, à bien finir ma course. Je suis déterminé, aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. À bien finir ma course. Seigneur Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Seigneur. Amen. Nous allons poursuivre avec les annonces. Shalom and welcome to the Assembly Chrétienne of Rabat. May the grace of the Lord strengthen you.
We are happy to present you the announcements for Sunday, July 3rd, 2022. About the annual conference Vie Transformée, which will take place from July 18 to 23rd, we need finances. That's why we encourage you to support this annual event with 250 dirhams. Please, get closer to the distribution desk to give your contribution and also get the t-shirts and polo in the colors of the conference. Finish well. The conference Vie Transformée is fast approaching. Okay. Do you know the theme of this year? Yeah, the grace to finish well what we've started. Do you have your t-shirt yet? I have mine, and I'm inviting you to get yours at the broadcast table. Let us meet on Monday, the 18th of July, at Assemblée Chrétienne de Rabat. Finish well. Bien finir, aussi ça m'a l'amour, finish well. We inform you that the pastor will receive people for Passover follow-up this Friday from 10 to 5 p.m. We inform you that you can get books, Bibles or teachings at the distribution desk. The books of Pastors Philippe and Désiré Chimbaud are also available there. Namely, L'ami aime en tout temps, The Friend, Loves at All Time, Le serviteur selon Dieu, The Servant, According to God, Être libre des péchés sexuels, To be free from sexual sins, et Lettre à une brebis, A Letter to a Sheep. You'll also find Manuel Long Pamipio for this season. Our prayer and sharing council meeting will take place on Wednesday, July 6th. Join us for moments of prayer, sharing around the world, and fellowship. For more information, we invite you to get closer to the cell group responsible of your neighborhood. You live in Agdal or its surroundings? Get closer to Sister Liz. You live in Fadeza or High Sinai? Please get closer to Pastor Elena. You are in Elfat or its surroundings? Please contact Brother Amen. You live in High Neda? Get closer to Sister Joyce. You live at the Asantu Agronomic and Veterinary Institute or in Suisi and its surroundings, please contact Sister Nicole. You are in Ocean, please get closer to brothers Elias and Wisco. You live in Aviation, Takadum, or the surroundings of the church, please contact Brother Serge. And this year, God desired to strengthen us by His grace. With that in mind, we continue this Friday, July 8th, the teaching on the topic, Why Me Lord? Derived from Job's life. We invite you to come in large numbers, physically from 6:30 to 8:30, to be edified by the Word of God and to water what we receive through prayer. The Bible says that whoever believes and is baptized will be saved. With that in mind, we encourage all who are born again to register before Sister Shaila. Baptism classes take place on Sunday after the first service. From now on, our Sunday services will take place as follows. From 9 a.m. to 10:45, the first service in English, Sunday service. From 11 to 12:45, the second service in French. From 1 p.m. to 2:45, the third service in Lingala. Notice that the echoing will take place during the first and the second service. Like the psalmist, let us rejoice as we are invited to come physically into the house of the Lord. We remind you that the pastoral interview will take place from now on Fridays, from 10 to 5 p.m. Notice again that pastor will receive next Friday. Be strengthened by divine grace. C'est la première fois que vous nous visitez. Vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes. Stand up on your feet? Nous souhaitons vous accueillir dignement.
Alors, bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat. Nous Welcome sommes l'Assemblée chrétienne de Rabat. To the Christian Assembly of Rabat. You are the Christian Assembly of Rabat. Nous sommes heureux et ravis de vous accueillir en ce matin. We are highly delighted to welcome you this morning. Nous prions que cette place où We vous êtes this seat that is yours soit la vôtre désormais, be yours si forever. Vous n'avez pas d'église attache. If you don't have a church. Mais si vous êtes de passage ou que vous avez déjà une église attache, nous vous prions de dire bonjour à ceux de votre église quand vous allez rentrer ou quand vous allez de nouveau aller retourner en tout cas dans votre église. But if you are passing by, we welcome you and we wish you may greet our brothers and sisters in faith from your local assembly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a le frère Dido qui est juste au niveau du pilier qui est There à côté de la porte. Our brother Dido upstairs there, near the pillar. Je vous invite à le suivre, il va vous conduire en haut et on vous présentera de mieux en mieux, en tout cas mieux l'église, afin que vous puissiez nous connaître davantage et nous désirons vous connaître. Vous pouvez tourner comme yes. ça. Et you can follow him, he will bring you upstairs to present the church to you better. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de ces moments, j'aimerais que nous puissions élever la voix, nous tenir debout, nous voulons élever la voix. Et alors que nous parlons de la grâce de bien finir, alors que nous sommes dans la saison de l'accomplissement, j'aimerais que pendant un temps, nous puissions simplement élever la voix et prier par rapport à notre projet d'achat d'un lieu de culte. Alors que Dieu nous a encore montré qu'il est bon de bien commencer, il est encore mieux de bien finir. Et nous croyons que nous servons notre Dieu qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il commence avec nous, mais également il finit avec nous. Alors est-ce que nous pouvons invoquer ce Dieu-là, l'Alpha et l'Oméga, implorer encore sa grâce par rapport à ce projet d'achat d'un lieu de culte, dire Seigneur, nous voulons, nous crions à toi Seigneur, écoute le cri de nos supplications. Seigneur, de même que tu nous as permis de bien commencer ce projet, permets-nous également de bien finir afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et que l'Église d'un commun accord prie le Seigneur. La Bible déclare, si deux d'entre vous se mettent en accord afin de demander quelque chose en mon nom, quelle que soit cette chose, elle leur sera accordée. Alors élevons la voix et prions comme s'il s'agissait de nous-mêmes, comme s'il s'agissait de notre propre vie. Père, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce projet, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, qu'il commence. Seigneur, nous croyons également que de la même manière que tu as permis qu'il commence, tu nous as permis de bien commencer ce projet. Tu nous permettras également par ta grâce de bien finir. Seigneur, nous ne voulons pas nous inquiéter, mais en tout chose, nous voulons faire parvenir nos besoins à toi qui es Dieu. Seigneur, ainsi, Seigneur, ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous le croyons. Seigneur, alors merci. Merci pour la grâce de l'accomplissement par rapport à ce projet. Que ton nom soit béni. Nous élevons la voix et nous bénissons le nom du Seigneur également par rapport à ce culte. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ce que tu as reçu? Et est-ce que tu peux déclarer encore qu'en cette semaine qui commence, tu as accompli parfaitement chaque jour ce que Dieu a en réserve pour toi. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, je déclare que ma semaine est bénie. Je déclare que j'accomplis ton œuvre dans le nom de Jésus. Je déclare que chaque jour, je vais dire Seigneur que cela est bon. À la fin de chaque journée, je regarderai l'œuvre que j'ai accomplie par ta grâce et je dirai que cela est bon. Père, merci. Thank you, Father. Merci Seigneur pour la grâce de l'accomplissement. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour ces instants merveilleux que tu as permis que nous passions dans ta présence. Seigneur, le temps passé dans ta présence n'est jamais vain. Seigneur, et ce matin encore, tu nous as amener, attirer dans ta présence afin de nous enseigner ta parole, de nous enseigner que c'est possible de bien finir ce que l'on a commencé pourvu que l'on compte sur toi, sur ta grâce. Père, merci, parce qu'en cette semaine qui commence, nous déclarons, Seigneur, que nous finissons ce que nous avons commencé. Nous déclarons que la grâce de l'accomplissement est notre partage dans le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que pour chaque jour, nous accomplissons l'œuvre à laquelle tu nous as appelé avant même, Seigneur, que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Père, merci pour ta grâce, Seigneur, qui repose abondamment sur chacun de nous. Merci parce que tu nous accompagnes alors que nous rentrons chez nous, Seigneur, dans nos différentes activités en ce jour et même en cette semaine qui commence. Ta grâce est avec nous. Seigneur, merci. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. C'est en ton nom tout-puissant, Jésus, que nous avons prié.
Amen. Amen. Excellent dimanche. Nous avons fini notre premier culte. Sunday. Que Dieu vous bénisse abondamment. Source branche pied présenté le star des permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chenbeau, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00 212 770 960 887. Si vous résidez au Maroc, que Dieu vous bénisse.